Amis viewers, bonjour et bienvenue pour cette petite vidéo sur Crossout. Crossout, le jeu qui risque de me prendre une paire d'heures dans les semaines à venir. Bon, vous me connaissez, hein, moi je passe d'un jeu à l'autre comme ça. Mais là il y a petit coup de cœur quand même sur Crossout. Donc un petit free-to-play de la société Gaijin. Gaijin, c'est, si je me trompe pas, World of Tanks, notamment. Donc ce qui veut dire que c'est un jeu free-to-play, mais si t'as envie de payer un petit peu, vas-y, fais ton plaisir. Bon, donc on verra bien avec le temps si c'est vraiment chiant comme la mort. Moi, je pense que ça va être chiant comme la mort. Genre, ça m'avait... Ça va totalement décourager les World of Tanks et compagnie. Ah, je suis au fusil à pompe et je tire à 4 km. C'est juste... inefficace. Oh là, ils sont 3, 4... Donc, bon, alors, qu'est-ce que je disais? Oui, donc, on va voir. Hein, si ça reste agréable sans payer, on va y jouer. Si c'est injouable, on va pas y jouer, quoi. Hein, tout simplement. Ok, donc, l'idée, c'est qu'on est... On est genre dans un monde à la Mad Max, il faut récupérer... Je dirais que le but principal, c'est de récupérer du gasoil. Hein. Ouais, ça va. Ah, j'ai eu un assist, et je suis mort. Donc de récupérer du gasoil, de capturer des bases, des conneries comme ça. Là, vous voyez, en haut, on a deux... Bah, je ferai une capture à la mission d'après. Hein. Prochaine carte, j'essaierai de faire une capture. Donc, on peut gagner ou en détruisant tout le monde, c'est ce que tout le monde fait tout le temps, ou en capturant la base adverse. Ça, j'aurais tendance à dire que les gens, ils en ont un petit peu rien à branler. Quoi d'autre? Ouais, donc vous faites des missions, vous gagnez des points. Avec ces points, vous montez de niveau. Avec les niveaux, vous gagnez des emplacements pour votre truc. Pour ceux qui connaissent, ça rappelle beaucoup Robocraft. Bon, Robocraft, en plus, vous me l'aviez demandé à plusieurs reprises, Robocraft. Donc c'est cool, je pense que ce jeu va être cool pour vous. Donc en plus c'est un jeu gratuit, donc on pourra s'y retrouver régulièrement, hein. Et ça peut être sympathique. Donc n'hésitez pas, bon là je suis pas là ce week-end, mais courant de semaine prochaine, si vous voulez, on pourra se faire des games ensemble. Ah ouais, ils ont un deuxième plating au-dessus du premier, d'accord. Ah ouais, pas mal. Putain, c'est la même carcasse que moi, sauf qu'au-dessus, ils ont une deuxième couche d'armure. Et je vais vous montrer un petit peu mon garage. Bon, on va se refaire une partie déjà, puis après je vous montre mon garage. Je suis niveau 3, bon, j'ai eu quoi? J'ai rien eu du tout. Je sais pas pourquoi il me parle de raid. C'est pas des raids que je fais, parce que tu vois, j'ai des objectifs de quête, mais... C'est bizarre. Et donc ouais, on gagne du scrap métal, des morceaux de métal, des débris de métal, avec lesquels on va pouvoir se crafter du matériel. Via pompe, aile de véhicule, on va pouvoir crafter. Le craft est très 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 important dans le jeu, manifestement. Manifestement, c'est un beau mot. Ouais. On débloque des... Comment ça s'appelle? Pas des prototypes, mais... Vous allez voir. Je vais vous montrer tout à l'heure. Bon, là, je suis le copain, et on va essayer de pas jouer solo. Waouh! J'essaie de viser le réservoir d'essence. Et je suis vraiment focus sur le réservoir d'essence. Lui, il est focus sur mon moteur. Ah putain, fais chier. Allez, je me casse de là. Ok, donc là, si vous pouvez quitter pendant une partie, hein, c'est pas grave, juste vous gagnerez vos récompenses une fois que la bataille sera terminée. Donc ça, c'est vraiment très bien pensé, je trouve. Ok. Donc le garage, tac. Alors là, on va aller éditer mon truc. Vous voyez, je peux enlever la portière. Je peux tout enlever en fait, hein. Les guns, la portière, les roues. Bon, alors, avec un véhicule de ce type, il y a peu de chances de gagner une partie. Hein, donc, il va vraiment falloir en faire à nous-mêmes.
Mais c'est un peu compliqué de partir de rien, donc vous avez ce qu'on appelle les... C'est pas les blueprints. Ah, pas mal, on peut faire plusieurs... Ah, ça je savais pas. Je peux mettre ma tourelle en groupe 1 pour faire des tirs longue distance, et mon fusil à pompe en groupe 2 pour faire des tirs à courte portée. C'est très sympa ça, très très bien, très très bien. Ah ok, c'est ça, c'est dans Blueprint, faction. Donc vous voyez, j'ai le Viper, donc c'est la faction des mécaniciens. Hop. Donc j'ai le Viper, c'est celui-là. Et le... non, le Starter Pack, le Starter Car, c'est le tout premier, avec deux tourelles dessus. Et le Viper, c'est celui-là. Donc avec le cul est un peu rallongé, il y a un pare-choc arrière, vous voyez. Il y a un pare-choc arrière, il n'y a pas de pare-choc avant. Il y a des renforts au niveau des passages de roues à l'arrière. Et des renforts au niveau des portières. Le réservoir d'essence n'est pas blindé. Et dessus, ils ont mis trois tourelles classiques, quoi. Après, bon, bah, évidemment, vous pouvez vous acheter des packs, hein. Voilà. Avec du pognon. Et des thunes. Bon, effectivement, voilà, si vous arrivez à vous payer un truc comme ça, à mon avis, vous mettez bien. Par contre, des PS, je sais pas, faudrait voir un petit peu ce que ça coûte exactement, je ne sais pas. On peut peut-être en gagner aussi, j'en sais rien. Alors. Putain, non mais, hey, vous avez vu le truc là, vous gagnez un coffre si vous restez 14 heures dans le jeu pendant une semaine. Comment notre force à jouer, quoi. Rester 2 heures, rester 2 heures dans une journée dans le jeu. Bon, alors les raids, je comprends pas ce que c'est qu'un raid. Exhibition shop, faction. Ah d'accord. Donc une fois qu'on sera niveau 10 en faction des ingénieurs, des mécaniciens, on pourra changer de faction et aller chez les lunatiques, les nomades, etc., etc. Tu peux dégager toi s'il te plaît. Merci. Donc les lunatiques, les nomades, pas mal, les scavengers et les Steppenwolf. Bon bah je serai Steppenwolf, hein, bien évidemment. Vous pouvez être niveau 25. Ok, mais c'est super ça. Donc voilà, hein, il va falloir farmer comme un sac. C'est quoi ça? Là faut gagner 7 battles. Ah ouais. Là faut gagner 7 battles. Donc on va peut-être y arriver à faire celle-là. Allez, on y va. Parce que j'avais pris un truc trop compliqué apparemment. Alors Get the Machine Gun, ça c'est la première mission, je l'ai terminée, je pense. D'accord, et là on va pouvoir récupérer ce genre de truc. Ok, j'ai combien de pièces détachées? Dites-moi un peu. Ah, regarde, les raids c'est ici. Ah, ok, donc pour faire un raid par contre, ça te coûte du fuel. Donc t'en as, moi j'en ai 60. Il faut être 3-4 personnes. Ok. Il faut des PS. Est-ce que je peux voir ça quelque part? Des amis, je n'en ai pas, évidemment. Vous n'êtes pas encore là pour jouer avec moi, les amis. Cross out, machin. Ok, ça marche. Test drive, build. Ça, c'est les thunes IRL. Fais voir un peu combien ça coûterait alors. Non. On verra ça plus tard. Allez, c'est parti. Je vous fais une ou deux games. En mission, en battle, en get the shotgun. Et il faut être niveau 5 pour aller. D'accord, niveau 5, on aura deux nouveaux types de roues. Certainement des roues un peu plus costauds. Et un nouveau châssis, par contre. Et ça, c'est cool. Ça, c'est... D'accord. Donc, ça marche. Allez, on y va, les gars. Hop, to battle. Je vous ai dit que le jeu était gratos, hein. Oui. Puis il va le rester, c'est du Gaijin. Normalement, il n'y a pas de... Normalement, il va pas être payant. Merde, je me suis parmi en... Oh, dommage. Bon, allez, c'est parti. Bon, alors ici, j'aime bien, moi, c'est squatter le pont. Mais bon, là que je suis passé au fusil à pompe, ça va pas être aussi efficace que d'habitude. D'habitude, je me mets dans ce coin-là, tu vois, et je défends le pont. C'est parti.
Ah oui, bah oui. Ok, ce coup-ci j'ai bien fait ça. Donc ça déjà, ça va bien nous aider les gars. J'ai mon fusil à pompe, vraiment. Oh là, voilà, là si tu cherches tout seul. Je me casse par là. Ouf. Oh là 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 là. Ah, pourtant je le bourre au fusil à pompe. Aïe 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 aïe. Et c'est pas faute d'y claquer le cul. Je sais pas quel niveau ils sont les mecs en vert là, mais... Honnêtement, il y a de la différence de... Oh, la taille du canon, les amis. Ah bah ouais. Mais c'est excellent. Quand il tire, le machin, il se retourne, quoi. Ah ouais. Ah, la violence. Putain, la violence du truc. François Fillon est parmi nous, les amis. Il doit être à l'assemblée en train de siéger ou je sais pas quoi, et boum, il joue à Crossout en même temps. Defeat! Bon, j'aimerais bien que vous voyez autre chose qu'une Defeat, un de ces quatre quand même. Quelle heure il est? 13h40, j'ai plein de trucs à faire avant de me barrer, si je les fais pas, ma femme va me tuer. Ok, allez, on continue. Win set battle, d'accord. Installe canon. Allez, roule ma poule. Next battle dans 6 secondes. Fais voir un peu les stats. J'ai fait un petit peu de score quand même, non? Tiens, regarde. Eh, je suis quatrième. C'est dire à quel point les autres sont mauvais, quoi. Non, sans déconner. Avec ce que j'ai fait, quatrième... À mon avis, ils étaient AFK, les autres. Regarde, les PS... Les PS, on dirait que c'est une côte ou je sais pas quoi, non? Ça se trouve les PS c'est une côte. Tiens, je me suis retourné, je suis à l'envers, non. Alors... Là-bas ça tire, tu tires sur quelque chose ou... Oui. Là je suis aux pompes, hop, j'essaie de viser les roues un petit peu, allez. Allez, dans le réservoir gros. Ah, impeccable, je l'ai eu celui-là. Là il faudrait des renforts là. Ah putain! Chier la teub! Oh, dis donc, Krug! Non, hein! J'ai encore tout ça? Ah, j'en ai eu un quand même tout à l'heure, non? Mouais! Il s'est mis des protections latérales de ouf, lui. Je veux ce canon, sans déconner. Eh merde, je vous ai dit que j'allais vous faire une capture, j'ai complètement oublié. Ah, d'accord, on s'est fait capturer la base. Ouais, j'ai eu un first blood quand même. Il est au Krugard. 1291. Base neutre, d'accord. D'accord, donc là il y a deux teams en fait. Deux teams pour une base. Ça va péter dans pas longtemps. Évidemment, faut que je me singularise et que je me tire tout seul de mon côté. Dans un cul-de-sac, c'est ça? GG Krug.
Je ne connais pas la carte, hein. Veuillez m'excuser. C'est quoi que ces miradors à la con? Vous êtes sérieux? Allez, allez, allez! Oui! Donc là, on est en train de... On est en train de capturer le truc là. Ouh! Oh, j'ai pris cher. Ouf! Esquive. Putain, oh, je suis mal. Oh putain, victoire! Ah, on a gagné un deuxième shotgun. C'est cool ça. J'en avais qu'un. Putain, regarde. Mes objectifs de je sais pas quoi, je sais pas comment on peut dire ça. Enfin, mes objectifs progressent pas. Pourtant là, j'ai gagné la battle. Tu peux pas dire que je n'ai pas gagné la battle. Enfin, je l'ai pas gagné tout seul, bien évidemment, mais quand même. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Donc là, on a une base chacun, d'accord. Donc ou on bute tout le monde ou on capture la base adverse tout en défendant la nôtre, bien évidemment. Alors évidemment, gardez votre base. Sinon, vous avez l'air d'un con. Je sais pas si c'est efficace, les trucs qu'il a mis sur le côté, là. L espèce de lame à la con. Tiens, va par là, gros, viens. Il y a une flèche rouge, là-bas, je sais pas ce que c'est. Ah, ça doit être le camp adverse. Le camp adverse doit être... Hop, il y a un connard, là. Il y a un connard à droite, c'est sûr, je l'ai vu. Je l'ai vu biper sur la... Ouais, qu'il assiste. Je suis pas dû faire grand chose, mais au moins j'ai touché. Notre base est en train d'être capturée, les amis. Bouge! Mais bouge, cocu! Mais voilà, faut se dépêcher, parce que si on venait à... Alors... Vous voyez, tout en haut, il y a un temps. Donc il reste donc 1 minute 40... 40, on s'en fout. Si le temps arrive à zéro, là tout de suite, on a perdu. Parce que ils ont capturé un morceau de notre base, un tiers de la base. Et ils en ont capturé plus que nous. Donc on a perdu si le temps arrive à zéro. Donc il faut à tout prix buter tout le monde. Ou se mettre au moins à égalité, quoi. Minimum. Donc là, moi, je me dépêche. Ouais, mais à 2v1. Merde, le mur. Ah, je regardais derrière moi. Fais voir un peu le score là. Vas-y, je suis chaud patate là. J'ai eu 2 assists, 1 kill, tout ça. Ah, il reste 3 contre 3. Voilà, un petit peu de teamplay avec des potes en vocal et tout, ça aurait pas été de refus, on va dire. Ça aurait pu être intéressant. Blim. Allez, il en reste plus qu'un, faut se le buter. Il y a 20 secondes pour le buter, sinon on a perdu la game. Allez, 10 secondes. C'est bon. Ok, niveau 5 avec les... niveau 4, pardon. Niveau 4 avec les engineers. Et un shotgun de plus, c'est cool. Bon, par contre, ça l'avance toujours pas. On ne sait pas comment ça marche. Hop. Vous me l'expliquerez certainement dans les commentaires, parce que vous savez toujours mieux que moi. Le pire, c'est que c'est vrai, quoi. Alors, vu que je suis level up, on m'a donné 2 running boards. Je sais pas ce que c'est. Running board. Des planches de course. 2 haches. Et 2 sideboards de minivan. De côté de minivan.
Ouais. Oh, il est en train de dire qu'il faudrait que je me fasse des amis ou je sais pas quoi. Alors, stop. CTRL Z. Ok, CTRL Z, je t'ai dit. Ah oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a eu de beau? Oh, joli. On a une... Ouais, bien sûr. On a une cabine de Docker. Je l'avais pas vu venir, celle-là. Donc, les machine guns, on connaît. Hein, attends. Il y a des machine guns et des machine guns. C'est pas toutes les mêmes. Ah, Hatchet, regardez-moi ça. D'accord. Donc ça augmente nos points de vie, tout simplement. Tiens, on peut ouvrir... Ah bah tiens, je vais faire ça en plein record. J'ouvre une caisse avec du matos aléatoire. Alors, donc là, c'est la roulette. La roulette, comme tu veux. Et on n'a pas de chance. On a un radiateur d'armes, donc qui baisse la surchauffe des armes de 30%. C'est bien? C'est bien. Oh merde, pardon, excusez-moi. Ouais, non, mais je le garde, c'est cool. C'est cool. Bien, alors, donc ce qu'on peut faire déjà, c'est rajouter, mettons, des lames sur la voiture. Vous pouvez les réorienter, hein, bien sûr. Donc ouais, je sais pas, on va les mettre... On va être sur l'avant, comme ça, là. Oh oui, c'est patas! Attends, un petit peu de symétrie, ça fait pas de mal. Par contre, j'aimerais bien avoir deux points d'attache. Je sais pas si ça change quelque chose. Mais je préfère quand même. Donc voilà qui est fait pour ça. Il nous reste quoi? Alors, j'ai encore le droit à une pièce. Attends, viens moi. Qu'on peut se mettre. Ouais, la cabine du Docker. Ah, c'est excellent. C'est excellent. Ah ouais, mais du coup, je peux pas mettre d'armes là-dessus, alors. Ah ouais, et puis donc, lui, il peut se mettre plus de trucs dans le coffre. D'accord. Mais est-ce que je peux mettre des armes, quand même? Ça reste le truc... voilà, quoi. Combien tu peux... Ouais, tu peux mettre un fusil à pompe, là. Tu peux en mettre un deuxième à côté, ou pas? Bah voilà, beau gosse. Regarde ça. Cabine de Docker avec deux fusils à pompe, des lames sur les côtés. Il nous reste une pièce d'équipement à mettre. Allez. J'essaie de la mettre un peu à l'abri quand même. Ok, tout ça c'est un peu caché à l'intérieur, c'est pas plus mal. Ouais, c'est bien. C'était quoi ça, carte jack? Ouais. Okay. Allez, c'est bien, ça ira comme ça. Bon allez, je vous fais une chat, on se fait une chat battle avec ce véhicule. Une chat battle avec ce véhicule et après je vous laisserai là. Comme ça vous aurez vu... Vous aurez vu plusieurs plusieurs trucs, hein, tout simplement. Je vous aurais fait du craft, je vous aurais fait des parties de pain avec la camionnette, avec le 4x4, l'aide totale. Mais donc là, faut faire quoi? Ah oui, faut attendre d'être niveau 5 pour aller ici. D'accord, faites niveau 10 pour faire ça. Pour faire des brawls. Ça, on peut le faire, ça? Mission dans 12h50. Bizarre. Ok. Ok. Allez, battle. Bon, on se bouge le cul, là? C'est quoi ce matchmaking de merde? On dirait For Honor. Ouais, c'était gratuit, j'avoue. J'avoue.
Crown, ça a commencé. Ah, peut-être que tu le bouges. On fait voir un peu. Oh, double fusil à pompe. À mon avis, ça va boum boum. Par contre, c'est une impression où je me traîne le cul, mais comme un sac. Alors du coup, j'avance pas. Par contre, ah ouais, mais non, c'est horrible. Franchement, la mobilité, c'est horrible. Qu'est-ce que je voulais dire? Connerie, sûrement. Voilà, faut bien s'approcher pour le fusil à pompe. 135 points de dégâts. Allez, tire. D'accord, bon bah c'était bien, hein. Putain, c'est vraiment très très... Dis-moi ce que c'est de là. Il y aurait pas un moyen de mettre un moteur supplémentaire ou... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre là à la place de ça pour booster un peu le... Par contre, 135 points de dégâts. Le truc, ça envoie du pâté quand même. Allez. Ça c'est un radar, on s'en fout un peu. Ça c'est juste pour me permettre de me rétablir. Du fuel. Ouais. Non, y a rien pour augmenter la vitesse. Prix de radiateur. Non. Ok. Alors, oui, si, fallait que je vous montre un truc quand même. C'est pas ça. Si, peut-être ça. Non. Garage, build, test drive. Putain, c'est où? Ah bah merde. Pas quoi. Non. Storage. On peut crafter du matos, mais je ne sais plus du tout où c'est. C'est un truc de fou. Bon, on en est où? Ouais, c'est bon, ça record. Bon, écoutez, j'arrive pas à retrouver comment on craft, mais c'est sûr qu'on peut crafter. Je vais vous laisser là. Bon, bah voilà, je vous ai présenté le jeu. Si vous voulez venir jouer avec nous, bah, vous êtes les bienvenus. Des bisous à tous. Une bonne week-end, semaine, année, joyeuse Pâques, et tout ça. À demain.